Moto Racer 2. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va jouer à la suite de Moto Racer sur PlayStation. Donc, Moto Racer, dont on avait fait une vidéo il y a pas mal de temps maintenant, hein, qui était un jeu qui avait très très bien marché à l'époque, enfin en tout cas des débuts de la Play 1. Et du coup, bah, évidemment, bon, comme n'importe quel jeu qui fonctionne, qu'est-ce qu'on fait plus tard? Bah, on fait une suite. Et il s'avère que cette suite est encore meilleure que la première. Bon là je me suis fait un peu avoir parce qu'on va avoir le mode démo qui va s'afficher. Mais on va du coup avoir, je me sens qu'il y a un deuxième mode de jeu qui se rajoute par rapport au premier, enfin on va redécouvrir ça ensemble. Il s'avère que de mes souvenirs je risque de confondre avec le World Tour, avec le 2 avec le World Tour. Donc, potentiellement, ce n'est pas vraiment la vérité mais on va le redécouvrir ensemble ce jeu, vous inquiétez pas. Donc ça fera des souvenirs à beaucoup de gens qui ont eu ce jeu, mine de rien. Il y a des gens qui n'étaient pas spécialement passionnés par de la moto, etc. Alors on va faire start. Donc c'est parti. Les chargements sont un petit peu longs, mais bon, écoutez, hein, c'était toujours le problème des CD à l'époque. Je rappelle que la PlayStation 1 a un lecteur 1x, c'est-à-dire que ça lie maximum à une fois la vitesse du CD. Ce qui n'est pas énorme. Ma Saturn était à deux fois par exemple. Bon, c'était une des rares qualités qu'elle avait par rapport à la Play 1, mais bon. Alors c'est parti, on peut démarrer, on a menu option, on va avoir des menus options. On peut charger, sauvegarder, regarder la position de l'écran. Je vais laisser un tout petit peu le son quand même de mon côté, voilà, on a un petit peu. Et la manette. Donc on a plusieurs configurations. Sachant que en bas normalement c'est pour le joueur 2 si je dis pas de bêtises. Donc on tourne avec les flèches classiques. Vue arrière, triangle, accéléré, freiné, X carré, du gros classique. Par contre changer de vue avec rond, c'est bizarre, bon pourquoi pas. Vitesse inférieure, turbo, figure, enfin des figures, voilà, donc avec L2, on peut faire aussi des figures avec R2, donc les deux gâchettes inférieures, et monter et baisser la vitesse avec les gâchettes supérieures. On va faire retour. On a un éditeur, on essaiera de voir ce que c'est tout à l'heure, on va faire démarrer. Alors, je peux jouer à un ou deux joueurs, pas de multitap géré dans ce jeu, donc on va pas jouer à plus de deux. C'est pas étonnant parce qu'en général ce genre de jeu à 4 c'est assez compliqué pour la console, même si on a eu un Crash Team Racing à 4 plus tard. On a aussi donc un joueur, je peux choisir le niveau de difficulté, on va rester en moyen, on va voir ce que ça donne. On a un mode entraînement, un mode course unique, un mode championnat. Là on est en mode arcade apparemment. Ah non, je peux choisir un mode et après en dessous le mode simulation ou arcade. On va faire un mode entraînement histoire de découvrir un petit peu ce que l'on a bah, comme circuit par exemple. Alors on a le Cityland Grand Prix, le Scenic Valley, Brittany, donc on a l'Amazonie, le Sahara, Cloverleaf, je pense que ça va être en ville. On a aussi des... ça a l'air d'être du Triad, hein. Là c'est de la course, on peut le voir avec le petit casque. En dessous on a du... oui c'est la motocross en fait. Et là ça se mélange un peu. Y a tout ça quand même, c'est plutôt pas mal. Je me demande si c'est pas des niveaux de difficulté d'ailleurs. Le fait d'avoir trois couleurs différentes. Bon, on va en prendre un au hasard, de toute façon c'est pour tester. On va prendre un mode GT, on va prendre... allez, Lost Mirage. Toujours aucun sponsor sur les motos, hein, pas de licence représentée ici. Enfin, en tout cas j'ai pas l'impression. C'est juste des couleurs de moto. On a toujours la version classique avec une version avec un peu tout. Tout au même niveau, c'est-à-dire on a les freins qui sont ok, l'adhérence ok, l'accélération ok, vitesse maximum ok. Ensuite on a un modèle qui en général est un peu plus maniable, par exemple celui-là. Et on a un modèle qui va bon, accélérer un peu plus, qui est avec une vitesse de pointe plus basse. Celle-là qui va être vraiment avec une bonne vitesse mais moins d'accélération. Celle-là qui a un peu tout sauf les freins qui semblent marcher. Voilà, donc vraiment vous avez le choix, bon c'est que des couleurs, hein. Il n'y a vraiment rien d'autre qui change. Moi ce que je vous propose c'est de prendre le modèle de base, histoire de déjà de voir la moto classique. On a le mode auto et manuel. Le mode manuel qui est plus intéressant évidemment, hein, si vous voulez faire des vrais chronos, puisque vous aurez plus de facilité à avoir de meilleures accélérations ou de bons freinages si vous changez les vitesses au bon moment. Quelques jolies photos réelles, hein, parce que là on est vraiment sur une vraie photo. Mais ils ont enlevé tous les sponsors. Je trouve que cette moto existe, les connaisseurs de moto me diront voilà c'était l'hôtel moto, Jackson Apria au hasard. J'en sais rien, ça se trouve c'est pas ça. Mais voilà, ils ont enlevé quand même tout ce qui est sponsoring. Et donc on va découvrir cette version 2 du jeu. Allez c'est parti.
Alors, donc au circuit, on est dans le désert, je pense qu'on doit être en Égypte, je sais plus trop ce que j'avais choisi, en tout cas dans le... Et tout de suite, bah, comme dans le premier, ça se manie super bien. Alors, allez, ça va très vite. Alors, pas sortir du circuit, il y a un mur invisible. Hop là, checkpoint. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a bon, le temps autour en haut. L'HUD qui est présent, mais qui est pas super invasif. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que généralement, quand on a trop de trucs affichés à l'écran, bah, on n'a plus grand chose. Ici, bon, on a la carte du circuit. Qui nous permet d'anticiper un petit peu, voir les prochains virages. Ça, c'est bien quand on connaît pas les tracés. Par exemple, il va y avoir un gros virage maintenant. Voilà. Donc, les kilomètres-heure à droite. Comme vous pouvez voir, on est en mode GT, donc on va assez vite. Hein, on est allé 300 assez rapidement. C'est un pur jeu d'arcade, comme le premier. Hein, rien n'a changé à ce niveau-là. Oula, je tape un petit peu. L'eau est plutôt bien faite. Je viens de me rendre compte qu'en passant sous le pont, c'était assez réussi. Toujours ce clipping assez important, on est sur PlayStation. Mais franchement, le jeu très propre. Très propre, on reconnaît tout, on se perd pas. En tout cas, ce circuit, même s'il est. Bon, je pense pas que ce soit le plus intéressant du jeu, loin de là. Est quand même bien fait. On ressent la répétition de texture, hein, vous pouvez le voir au niveau de la colline. C'est 10 fois la même texture avec 10 fois le même modèle 3D qui est refait. Et comme je le disais, l'eau est très très bien faite. On va finir les deux tours. Histoire de voir si on peut faire un record, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a des choses à débloquer non plus. J'ai l'impression qu'en mode. Entraînement. Comme ça, pour mon entraînement, on a un peu tout déjà disponible, donc est-ce qu'il y a vraiment des choses à débloquer à la fin? Je sais pas. On va voir. De toute façon, on fera tous les modes. Et le mode éditeur qui m'interpelle un petit peu parce qu'il n'était pas présent dans le mode le premier Motorracer. Donc pourquoi pas. Il y a aussi un Motorracer qui a été très très aimé, c'est Motorracer World Tour, je crois que ça s'appelle comme ça. Par contre, j'ai plus de souvenirs d'avoir joué avec ce jeu sur le troisième, puisque le cousin l'avait, et en plus, on avait le mode. Mode trial qui était énorme, on pouvait faire à deux, faire du. On s'appelle, il faut monter sur les obstacles quoi, il faut passer sur des caisses, aller d'un point A à un point B, et c'était vraiment marrant. Alors, continuer la course, oui, non. On va revenir en arrière, game over, voilà. Et on va du coup, pour ça, c'est mon entraînement, donc vous avez compris, hein, vous pouvez tourner sur les circuits, essayer d'améliorer vos chronos, comme ça, quand vous allez ensuite faire la course. Là, vous serez déjà bien entraîné. Et ça vous évitera de vous prendre tous les murs. Tous les murs, enfin tout le décor. Les musiques, bon, comme vous pouvez le voir, c'est très musique d'époque. Ah, attendez, j'ai pas fait gaffe, mais avec carré, on peut changer les conditions. On peut changer le jour. Attendez, c'est sympa. On peut changer jour ou nuit. Ça, c'est déjà cool. On a clair, aucune heure, ça oui, il n'y a vraiment rien du tout. Et normal. Ah, c'est tout, on peut rien changer d'autre. Ok, je pensais qu'on aurait pu mettre la pluie, mais apparemment ça paraît être le cas. Allez, on va faire une course unique. On a tout ça comme circuit. Alors, vu que j'ai commencé avec une GT, on va prendre une motocross. On va prendre quoi? Et la vieille Fortress, Old Shot, je sais pas ce que c'est. Ah, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelques circuits qui reviennent. On avait fait le Lost Mirage dans le Sahara. Et là, c'est le Free Flight. Ah, en fait, c'est l'univers qui est le même. C'est le même screenshot derrière, mais le circuit est différent. J'en sais rien. On va faire. Pourquoi pas faire l'Amazonie. On va prendre une moto classique. Avec les stats moyennes partout. Et bien entendu. Ah, si, j'ai vu le petit Yamaha. sur la combinaison. Ah, je pense que c'est vraiment une... Là, ils ont pas enlevé. Ouais, ils ont vraiment tout gardé. Bon, je pense que les modèles 3D sont des vrais modèles, en tous les cas. Voilà. Après, s'ils ont pas assumé le fait de pas avoir licence, c'est autre chose. Mais modèles 3D semblent être des modèles de motos existantes. Voilà, le petit défaut déjà du jeu, les chargements un peu longs. Bon, c'est pas grave. On est 8. 7 concurrents contre nous. Et c'est parti. Thank you.
Ouais, je dirais pour le moment, je vous laisse un petit peu savourer le jeu. Musique plutôt sympa, plutôt. Oh, c'est vraiment ce qu'ils faisaient dans les années 90. Hein. Honnêtement, j'ai presque l'impression d'écouter des musiques d'Escombat des fois. Circuit pas mal aussi, avec beaucoup plus de décors, hein. Là on peut le voir. Il n'y a aucune baisse de framerate, la console gère bien le flux, enfin, il n'y a pas de soucis au niveau de l'affichage et de la fluidité. Par contre, la moto voilà, se dirige vraiment, on est plus en train de faire du drift, j'ai l'impression, qu'autre chose. On a les tissots. Ça, j'ai pas fait attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de boss. Mais est-ce qu'on peut incurver vers l'avant ou vers l'arrière la moto? Je sais pas. Faudrait voir. Mais là, il y a beaucoup de virages. C'est difficile d'anticiper. J'ai même pas le temps en fait de faire l'essai. On est déjà dans le prochain virage. J'ai pas l'impression qu'on puisse bouger la moto en avant ou en arrière. Enfin, en tout cas, essayer d'impacter notre retombée en mettant plus ou moins la roue avant ou arrière devant. Alors là, je n'ai pas lâché l'accélérateur, je vous le dis parce que ça vous montrera un peu le niveau de difficulté en mode moyen. Je n'ai fait aucunement l'effort d'essayer de me dire je vais essayer de ralentir en virage. Non, je vais à fond. Ça se passe super bien, on peut le voir sur la carte, je suis loin devant. Non, par contre, c'est assez jouissif. La moto tourne bien, tourne beaucoup mieux d'ailleurs que la GT. Bon, après, c'est logique, hein. On est sur des circuits beaucoup plus lents, on est sur de la terre. Le nombre d'arbres au centimètre carré, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même plutôt joli. Bon, pour l'époque toujours, mais c'est vraiment agréable. Petit effet lens flare très classique à l'époque sur Play 1, ils adoraient faire ça. Musique très sympa. Alors, c'est vrai que je vous ai pas montré encore, mais voilà, donc on a la vue un petit peu rapprochée. Donc voilà, un peu plus proche. Et on a la vue vraiment, vraiment, vraiment très proche. J'aurais dû vous montrer ça avant, mais je vous montrerai ça la prochaine manche. On a fini premier coup. Bon, j'ai pas eu trop de difficultés. Et j'ai aussi un timer en haut à gauche, hein, ouais, 75 secondes. Donc des checkpoints, donc on pourra pas non plus faire de la balade, hein, en fait, pendant les courses. Parce que bah, si on fait ça, on va se retrouver avec un timeout. On va mettre le replay. Alors effectivement, Yamaha est présent, voilà, alors vraiment la pub, c'est bon, on est ok. Yamaha donc est sponsor, est dans le jeu. Donc ce que je disais, oui, donc on a le temps limité. 8 motos, c'est pas mal, c'est un chiffre correct. En général, sur les jeux de course sur PlayStation, en tout cas à l'époque, on était souvent avec entre 4 voitures en moto, 6. Mais quand on voit au-dessus, c'est déjà beaucoup plus rare. Il y avait des jeux hein, qui n'avaient plus, ces jeux de Formule 1, par exemple, on en avait 20, 26. Mais souvent, c'était assez limité. Et là, 8, pour moi, c'est un chiffre assez correct, puisque bah, plus on est, plus on est fou, plus on rit, hein, comme on dit. Et donc là, c'est un peu le cas. En tout cas, le replay est très, très dynamique. C'est plutôt agréable à suivre. Alors, la caméra est un peu bizarre, quand même. Mais il n'y a rien à reprocher, quand même, à ce niveau-là. Allez, on va faire quitter la course. Ah, ils aimaient bien aussi ça. Game over. Game over, yeah. Un peu à la Sega. Bon, là, il a fait en mode beaucoup plus classique. Mais bon. Allez, on va faire un mode de, bah, mode championnat. Écoutez, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, je vous ai pas montré, mais je pense qu'il doit avoir une vue un peu au ras du sol aussi. On va essayer de voir ça après. Qui, en général... intéressante. Ah, je peux mettre mon nom. Bon, je vais pas le faire. Je m'appelle Slayer, voilà. Sure Slayer, en fait, c'est même pas mon anglais, ça vient des gens qui jouent aux jeux vidéo à l'époque et la flemme de changer toutes les lettres. Et pour le coup, bah, ça s'appelle Slayer.
c'est totalement faux ce que je viens de dire. Hein. Alors, on va faire retour, on va faire un mode de... Par contre, on est en mode arcade tout le temps. Ah, regardez, attendez. On est en mode arcade, en mode simulation avec carré, donc on peut le changer à la volée. Je pensais qu'il fallait descendre le... Enfin, une fois avoir choisi, on pouvait descendre et changer droite, gauche, simulation, arcade, c'est pas le cas. On va faire un championnat. Alors par contre, non, ce que je voudrais vous montrer un tout petit peu avant quand même, avant de faire ça, c'est on va se remettre en... On va se mettre en simulation. Et je vais voir ce que ça donne en mode simulation. Parce que quand même, ça m'intéresse. On va garder... on va prendre le cobblestone en Britannia. Je vais prendre une autre moto. On va prendre la rouge, tiens, par exemple. Et je vais voir si le mode simulation est plus, plus intéressant ou pas que le mode arcade. Parce que le mode simulation, ça va peut-être dire qu'il n'y aura pas de timer, comme ça veut dire que le maniement va être beaucoup plus réaliste. Donc on va voir ensemble si c'est le cas ou pas. Très bien d'ailleurs que ce soit le cas, parce que ça permettrait d'avoir vraiment deux jeux différents. Je sais que par exemple sur les jeux de Formula 1, notamment le 97, le mode arcade et le mode simu étaient vraiment vraiment différents et ça donne deux jeux quasiment dans la manière de piloter. Mais c'est rare en général ce genre de jeu qui change totalement la manière de conduite. Là on va voir. Alors c'est parti. Bah déjà il n'y a pas de timer effectivement, donc ça c'est un peu la différence, première différence avec le mode arcade. Par contre, est-ce qu'au niveau du maniement ça change? Oula, ça a l'air d'être un peu... Ah oui, c'est vrai que j'ai changé de moto aussi, j'aurais peut-être dû prendre la même pour vraiment faire une comparaison. Parce que la rouge, elle a des stats un peu différentes, elle a plus d'accélération. Mais elle a moins de maniement, je crois. Elle a l'air de tourner un peu moins. Oula, pas mal, le souhait est sympa. Donc oui, je voulais vous montrer un peu la vue très proche. Oh, belle vue. Alors ça c'est super sympa. Quand on a la vue du cockpit, enfin du cockpit, non, c'est pas le cockpit parce que là on est sur une moto. Quand on a la vue guidon, on va dire, c'est vraiment, ouais franchement c'est cool. Oh là là, l'effet de vitesse est vraiment super bien rendu avec cette caméra. Eh franchement, enfin, je comprends les mecs à l'époque avaient adoré ce jeu parce que là il y a vraiment un bel effet de vitesse. En plus le circuit est plutôt fun quoi. Enfin il y a des sauts partout, c'est sympa. Oh, j'imagine même ce jeu en VR avec le même graphisme. Hein. Vous mettez un casque VR dessus qui tourne un petit peu. Je pense que vous avez moyen de nous éclater. Ça fait penser d'ailleurs que je n'ai pas vu de jeu de moto en VR. Autant sur PC, il y a des jeux qui ont un peu la compatibilité forcée ou qui ont autorisé la compatibilité. Ah, on est tombé. Ça, par contre, je pense qu'en mode arcade, je ne serais pas tombé. Il y a des jeux qui autorisent la VR, mais j'ai pas vu de jeux de moto en fait autorisés. Est-ce que par exemple les motos GP autorisent ou... alors je crois que c'est SBK aussi une licence de moto qui fait ça. Parce que franchement, en VR, avec le guidon comme ça, c'est excellent. C'est vraiment énorme. Alors par contre la vue est très bien, par contre je suis super nul avec cette vue, je vois rien du tout. On va essayer de remonter un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est une vue qui est vraiment immersive, mais c'est peut-être pas la plus pratique pour être performant. Oui, quand même, le motard qui, quand on change de sens, met son pied hein, sur les côtés pour essayer de rattraper à chaque fois, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est assez complet. Pour un jeu qui se veut arcade, c'est vraiment, vraiment réussi, quoi. Je pense qu'il y a le fun derrière. Là, on va arriver dans le dernier tour. J'ai pas l'impression qu'il y ait une collision entre les IA par contre. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu. Là, tout à l'heure, on a touché un autre concurrent. Bah, ça a rien changé quoi. Un petit commentateur aussi qui fait quelques réflexions. Je vous ai laissé un peu pour la musique évidemment. C'est ça que je n'ai rien dit. Aïe 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 le petit choc sur la fin. Malheureusement j'ai pas beaucoup de temps avec ce choc. J'étais en train de revenir en plus sur eux, c'est dommage. Je pense qu'on va finir 5ème. Bon c'est pas grave, de toute façon c'est juste une course comme ça. On va juste après se retrouver pour le mode championnat. On va dès que cette course sera finie, on passe à la suite. Donc le mode simulation c'est plus simple dans le sens où c'est pas de timer.
Par contre, le maniement, enfin, en tout cas, le maniement bouge pas trop, mais le fait qu'on puisse tomber, eh ben, ça rajoute une petite difficulté. Quoi faire non? Oui. Enfin, oui, il va faire non. Musique très sympa aussi, toujours dans le même registre. Hein. Pour l'instant, on n'a pas un registre trop différent, mais ça paraît logique avec ce genre de jeu. Hein. C'est un jeu qui se veut fun, et on peut mettre de la musique classique. Allez Slayer, tu as fait un très bon temps. On va faire un retour. Et donc, le mode championnat. Alors, est-ce que je le mets en mode simulation ou est-ce que je le mets en mode arcade? Ouf, on peut le laisser en mode simulation. Alors, ouh, regardez, on a plein de choses intéressantes, ça va être sympa. On a le Superbike Championship, le Moto X Championship et le Dual Sport Championship. Bah, à mon avis, oui, on va alterner une course. Ah, mais c'est un peu ce qu'on avait dans la liste tout à l'heure en mode entraînement. C'est-à-dire qu'au début, on avait que des circuits pour la GT. Ensuite, que des circuits pour la moto cross. Et ensuite, on avait une course sur deux. Enfin, avec ces différentes. On a un Custom Championship et le Ultimate Championship. Alors, Ultimate Championship, j'imagine qu'on va le débloquer quand on aura réussi tout ça. Mais écoutez, on va essayer, alors peut-être pas forcément de faire entièrement le championnat, mais on va essayer un petit peu de commencer ce championnat. Donc, on a sur le circuit de City Lights 3 tours en mode GT. Alors, j'ai plutôt envie de mettre quelque chose qui a une bonne adhérence, plutôt qu'une bonne vitesse, parce que ça peut m'aider. Mais la bleue, je pense que c'est la plus complète, hein, parce que là, elle a pas une bonne accélération. Ah, la rouge pourrait être sympa. Allez, on va... Ah ben non, pourtant la rouge tout à l'heure, celle que j'avais prise, c'est celle qui a la meilleure adhérence. La verte, elle est comment? Frein. Elle a pas beaucoup de vitesse. Je prends une moto qui a pas de frein. Ça, on va voir un peu ce que ça donne. Ah, ça, elle a pas trop de frein. Ouais, donc je pense qu'en fait, la seule solution, c'est de prendre soit celle-là. Et celle-là, elle a un peu plus d'adhérence. Une bonne vitesse max, celle-là. Bonne accélération, une test max, adhérence moyenne. Allez, on va tenter ça, alors on est des fous. Non, sur le plan technique, le jeu est très réussi. Donc c'est déjà à la base, vous savez déjà ce que je vais dire à la fin, mais en gros, bon, je vais pas me répéter, donc je vais le dire maintenant. C'est un jeu qui vaut le coup, de toute façon, beaucoup de gens qui ont eu ce jeu l'ont apprécié. Et même à l'heure actuelle, même si on est 20 ans plus tard, bah, je trouve que le jeu garde son côté amusant. Hormis les chargements, voilà. C'est vraiment... Bon, il n'y a pas de dégâts sur les motos, bien sûr. Allez, c'est parti. Et ce circuit, je me demande si c'était pas le circuit qu'on avait dans le premier. Ça me parle un peu... Alors, peut-être que là, par contre, on peut taper les IA. Je vais te calmer. Oh, j'ai glissé un petit peu à la relance. Ah ouais, effectivement, là, ça va être... compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Heureusement que j'ai une moto qui va vite. Ça me permet peut-être de remonter si je fais pas trop de bêtises. Oh la vache. Vous voyez, ça glisse un petit peu. On a le pneu arrière qui chauffe. Pas évident, hein. Pas évident quand même. Ça va super vite. Allez, enfin, premier tour. Alors j'ai réussi à faire un record du tour alors que je n'ai pas encore tourné ce circuit, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai réussi à faire un record du tour. Et si je m'étais planté, il me semble. Au même endroit. Au même endroit. Ah non, ça va pas du tout. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, ce n'est qu'un championnat. Ça permettra de montrer un peu le mode trial après, parce que je pense pas qu'on va faire les 8 courses d'affilée, c'est trop long. Bonne des max quand même. Comme on dirait, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et du coup, on a quand même des sponsors, hein, je suis en train de me rendre compte. On a quand même Michelin, Bell, je crois que c'est les casques. Spitfire, on a Mobile 1. Non, il y a quand même du sponsoring. Après, le jeu ayant bien marché la première fois, c'est sûr que bah quand tu demandes, après avoir fait quelques millions de ventes, à des gens s'ils veulent sponsoriser le jeu, c'est sûr qu'ils disent plus non. Hein, ils te disent plus, vous êtes qui ? Disent ok, ça marche, mais on y va. C'est d'ailleurs une petite question que je posais à l'époque pour Gran Turismo 1. Comment ils ont fait pour avoir autant de constructeurs alors que bah, à la base ils avaient rien à montrer en fait.
ils avaient rien pour dire bon les mecs vous inquiétez pouf, bah voilà, on peut se cracher sur un concurrent. On a rien à vous montrer. On a rien à vous montrer, on a jamais rien fait avant, du coup faut nous croire, on va faire un super jeu. Ils ont bien accepté et bien Laurent l'a pris. Alors, peut-être que Izunori Yamoshi à l'époque avait des liens étroits, je ne sais pas. Alors on a fini 6ème je crois, ou 5ème. Je sais pas si on a game over du coup, ou si on peut passer à la suite. Est-ce qu'il y a un système de points au championnat? Est-ce qu'on peut par exemple finir une course dernier, puis quand même continuer jusqu'à la fin? On va voir. Parce que j'ai pas eu de classement en fait, hein, pour le moment. Ah si, voilà, donc on a les points. Alors on a fini donc 5ème, hein. On a marqué 4 petits points. Tous les pilotes, oui, les pilotes marquent un point. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bah, c'est comme en Formule 1 à l'époque. On va faire OK. Bon, on fait un meilleur tour, mais on s'en fiche. Et on va découvrir le Scenic Valley. 3 tours, et par contre, je vais mettre de l'adhérence. Vraiment, ça va être important. Je vais garder la modèle bleue. Et ce qui est pas mal, c'est de pouvoir changer de moto entre les courses. C'est qu'on n'est pas obligé de garder la même moto du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si on a fait un mauvais choix, eh ben, on peut quand même avoir une chance de, ben, d'en changer. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Le meilleur moment du jeu. Je vous laisse profiter quand même parce que c'est super intéressant. Donc réplique la musique du CD qui gratte. D'ailleurs j'ai un projet sur la chaîne qui arrivera bientôt. Bon, j'en parlerai pas ici parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais peut-être une nouvelle série. Enfin pas de série en tant que telle, dans un nouveau jeu qu'on teste machin. Non, c'est une nouvelle façon. On va venir faire des vidéos. Que je testerai avant, évidemment, avant de la lancer vraiment. Allez, on retourne au jeu sur un circuit qu'on a pas fait. Oh là là, il va falloir freiner. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a deux groupes qui se forment à chaque fois, hein. Les 4 devant et puis les 4 derrière. Avec un petit gap entre les deux. C'est-à-dire que pour viser le podium, il faut vraiment être un cran au-dessus. Checkpoint. Oh ! Ah oui, c'est vraiment, vraiment précis. J'ai à peine effleuré le bord de piste, ça y est, je suis dehors. Ah, du coup, ça va être. Ça va être un peu crispant parce que du coup, à peine je vais prendre un virage, je vais me dire non, mais là, attention, si je prends un peu trop l'intérieur, je vais me planter. Sauf que vous l'avez vu, le choc était vraiment léger, hein, on a effleuré la bordure. Après, en soi, c'est logique, hein, à ces vitesses-là, vous allez un petit peu sur la terre ou un petit peu. Voilà. Sur l'herbe, c'est quasiment instant, hein, vous perdez le contrôle d'un coup. Par contre, c'est peut-être un petit peu exagéré là pour un jeu d'arcade, mais bon. On va quand même essayer de remonter. C'est bon, c'est vraiment pas évident. J'essaie de regarder un petit peu le circuit. J'ai qu'un virage à droite, là, par exemple. Ah, mais ouais, mais j'ai tendance à faire extérieur, intérieur, extérieur. Et du coup, eh ben oui, tu prends l'intérieur, donc forcément, tu touches et tu. Et là j'ai pris un retard mais tellement conséquent, je pense que ça va être impossible à rattraper. C'est dommage, j'avais fait un bon départ. Final lap. 312 km/h, je sais pas combien on va avec la moto la plus rapide, peut-être 320, je sais pas, j'imagine, hein, j'essaie de deviner. Allez, on va faire gaffe, voilà. De remonter, est-ce que je peux? C'est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Ça glisse un petit peu. Je me rends compte quand je suis un petit peu sur la partie terreuse. Si je me plante pas, par contre, la moto a tendance à vraiment glisser. Ah, je termine dernier. C'est dommage, j'avais fait un bon dernier tour, par contre. Je termine dernier, c'est pas grave, on aura un petit point. Je vais pas faire replay. Donc ouais, on peut aller sur la partie extérieure, mais il faut vraiment être en ligne droite. Dans les virages, c'est vraiment mort. Et faut pas y rester très longtemps, sinon bah c'est la faute assurée. Hein. On va voir le troisième circuit. On a combien? On a une demi-heure. Bah je vous montre peut-être un ou deux circuits de plus, puis on s'arrêtera. Je vais peut-être mettre le mode trial, histoire de finir un peu. Je fais une petite dernière course en mode GT. On va faire ça, on va faire OK.
Par contre, j'ai pas vu. Ben non, effectivement, je pensais qu'il y aurait la pluie, mais pas du tout. On va faire auto. Bon, les modèles de moto sont réussis, hein, vous l'avez vu. Bon, après, il n'y a qu'un seul modèle 3D, donc heureusement qu'il est bien fait. Un seul modèle 3D pour la GT, un seul modèle 3D pour la motocross. En revanche, bah, est-ce qu'il y a du contenu supplémentaire? J'en ai aucune idée. Ah, je devais vous montrer le mode éditeur. Donc, ce qu'on va faire, faut pas que j'oublie. Parce que je change, j'ai oublié ça comme d'habitude. Dès que la course est finie, on revient en mode éditeur pour voir un petit peu ce que c'est. Et est-ce que ça vaut le coup, justement? J'ai fait oublier la plus importante nouveauté du jeu. Ouais, dans la forêt. Alors, je le sens vraiment pas, ce circuit. Parce que la forêt en général avec des GT, c'est pas le concept le plus c'est pas ce à quoi on passe en premier. Et oui, je tapote pour pas prendre trop vite certains virages. Pour garder un peu de groupe. Ouais, je m'en sors bien, un premier tour à chaque fois, je m'en sors plutôt au pied. C'est vraiment une fois qu'on est passé à la suite que c'est compliqué. Il va y avoir un petit virage attention au vert, de ne pas y rentrer dedans. Oh là 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 là, attention. Et bah écoutez, j'ai fait un tour sans planter, c'est déjà une bonne nouveauté. Je prends. Est-ce que je peux en faire deux sans planter? On va essayer de rattraper le premier. Oh ouais, pas mal. Bel enchaînement. Attention, virage serré là. Bien freiné. On va finir avec une petite victoire, ce serait sympa. On va finir en tout cas une course. Allez, je vous laisse un peu la musique. Alors, autre chose que je vous ai pas montré, les figures, effectivement, LDR2, j'ai vu, je me suis pensé en voyant mon concurrent faire un wheeling. Je pense qu'en GT, on peut pas en faire. Hein. Je pense que les figures, on peut en faire que en mode tryout. En tout cas, bon, fini deuxième, c'est pas grave. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, alors j'ai pas réagi sur le moment, mais quand je me suis planté et que l'IA est arrivée sur moi, elle m'a pas redémonté derrière. C'était plutôt bien, parce que c'est un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire si on te remet en piste et que bam, l'IA arrive derrière et que tu retombes à nouveau, c'est vraiment un truc super frustrant. Là, ça n'a pas été le cas, c'est l'IA qui a pris, c'est pas moi. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Bon, fini deuxième, c'est plutôt pas mal, j'aurais préféré gagner, bien sûr, mais bon, deuxième par rapport à la prestation d'avant, c'est quand même correct. On va faire le mode éditeur. Je vais faire un retour. On va faire, alors du coup, retour à nouveau, retour, on va faire le mode éditeur, je sais pas ce que c'est. Alors, on peut choisir un circuit du championnat, donc on a... alors éditeur, ouais, je pense que ça va être rapide, on va quand même voir. On va prendre le speedway, on va faire changer condition, on va mettre nuit, on va mettre... Oh, il y a de la pluie, de la neige, mais c'est trop bien. On a le mode, bah normal, c'est bon. Et je fais éditeur de circuit. Oh, regardez, on a un éditeur de circuit. Alors ça par contre, c'est génial. C'est comme V-Rally 2. Il y a d'autres jeux hein, qui permettaient ça, d'ailleurs. Alors, je sais absolument pas comment ça fonctionne. Alors, ajouter un point de contrôle. On peut enlever un point de contrôle. Comment ça, nouveau circuit. Ajout de boss, test du circuit. Ok. Donc, ici, on a quoi? Ajout de boss,
On a choix du thème. Alors déjà, on peut prendre les quatre thèmes. Donc le mode Grand Prix, Amazonie, Bretagne ou Sahara. On va prendre le mode Grand Prix par défaut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, déplacer les points de contrôle. Ok. Donc en fait, je pense que les barres blanches, c'est les points de contrôle. Ensuite, on a quoi? Ajout de boss. Par contre, comment on fait pour... Comment on fait pour... Ah ok, donc là par exemple je mets une boss, pas de boss. Ok, donc attendez, LR1, c'est pour du... C'est pour de la transition gauche-droite, voilà. R1 c'est pour faire du zoom. Carré plus, on peut tourner, ok. Et au bas c'est pour changer la zone, ok. Donc... là c'est pour mettre des boss, donc là j'ai compris. Par contre, ouf, ouais c'est pas évident. C'est pas évident de comprendre comment manier. Là par exemple je vais faire des boss, ok. Mais par exemple si je veux changer... si je veux changer le tracé quoi, parce que là, je suis en rond. Donc c'est pas spécialement intéressant. Là je peux rien changer. J'ai que de l'ajout de boss, c'est quand même bizarre. Non, c'est pour tester le circuit. J'ai créé un point de contrôle. Par contre, je sais pas du tout, hein. Vraiment, hein, je sais pas. Code de génération, ça c'est pas mal, ça me permet de voir un code, ce qui fait que ça m'évite de le refaire. Donc en fait, on peut ne pas surveiller le circuit, on a juste à faire à ce code-là. Alors par contre, je suis bête ou il n'y a rien pour modifier le tracé en tant que tel? Parce que là, à part déplacer le point de contrôle... Hauteur, position. Oh, trop bien! Alors attendez. Ok. On va prendre un deuxième. Position. Ok, donc là il dit que c'est pas bon. Voilà. Maintenant. Voilà, je vais l'élargir. Ok, je viens de comprendre. On va l'élargir. Ça marche pas comme ça? Je trouve que c'est un peu pas beaucoup. Un peu trop pour lui. Eh bien, vraiment ça. Non, c'est pas possible. Attendez, on va faire comme ça. Ah, je peux pas valider si je fais ça. Si, c'est bon. Alors, attendez, on va décaler un peu. Eh bien, au moment où ça va passer. Alors, je sais pas à quel moment c'est censé passer. Bon, c'est pas grave. Là, il me dit que ça va pas. On va agrandir un peu le tracé. Là, on a une bosse. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Alors, attendez, je vais faire un translate. Oula, par contre... voilà, translate, c'est comme ça. Ici, on va agrandir le circuit. Voilà. On va revenir un peu là. Ok, ouais, non, là c'est bon, je peux faire un translate du tracé. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui lui va. Hein. On va faire un retour. Si je fais test du circuit, est-ce que ça va marcher? Géométrie incorrecte, le circuit ne peut pas être testé. Virage trop serré au croisement ou les côtes trop raides. Ah ouais, non, mais ok, alors je veux bien, quoi, je veux bien, mais c'est vraiment ultra restrictif, quoi. Je peux pas faire de trucs. Ah, je peux pas vraiment faire un truc de fou. Bon, bah écoutez, on va faire perdre, c'est pas grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre ce circuit. Ouais, on va le garder comme ça. On va faire démarrer un joueur. Je veux juste voir ce que ça donne. Le tout premier. Donc c'était quoi, liste? On va faire nuit. Ah, on va faire la neige, on va prendre la neige. Et on va faire ça, on va tester... Prendre une autre moto, tiens, on va prendre la moto verte, allez, c'est pas la plus rapide. On va tester la pluie, enfin la neige en tout cas, et la nuit, voir ce que ça donne, et puis on se quittera là-dessus. Donc le mode éditeur, bon, ok, on l'a compris, hein, vous avez vu comment ça se passait. En revanche, ouais, il a pas d'être ultra permissif, alors il faut vraiment écarter vraiment tout, tout, tout. À la fin, lisser les angles pour que ça passe, mais je pensais qu'on aurait un peu plus de possibilités. C'est dommage.
Mais en tout cas, c'est très bien d'avoir un état de circuit. Hein. Ça, c'est quand même exceptionnel. Ah, petit effet de lumière, petit effet de nuit. Alors oui, c'est vrai que je suis tout seul, je suis pas en mode course. Par contre, je suis en mode simulation, il me semble. Donc si je suis en mode simulation, ça va glisser de partout. Ouais, on est d'accord, ça glisse partout. Ok, donc c'est réaliste. Enfin, c'est réaliste. Disons que ça se veut réaliste, mais il y a une certaine logique. Vous voyez, je suis sur la neige, ça glisse de partout. Là, j'ai un peu le maniement d'une... Pardon. D'une moto, motocross, en fait. Bon, dans la réalité, vous faites ça, vous êtes mort 10 fois. Hein. Avoir l'arrière qui glisse autant. Alors, attendez, parce que je voulais quand même vérifier quelque chose. On avait quand même normalement un mode figure, enfin peut-être pas avec les GT, effectivement j'aurais dû prendre avec le mode tutorial. Mais oui, ça si, je peux faire avec R2. Attendez, on va se marrer. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est joli. Peut-être que ça me permet d'accélérer plus vite, je sais pas. Mais en tout cas, on peut le faire. Alors, est-ce que c'est un intérêt, j'en doute, parce que je veux pas de points, je suis tout pris. J'ai tout pris l'endroit. Oh, c'était plutôt cool. On va changer de vue. Pour voir un peu l'intérieur. Voilà, on l'avait pas vu, l'intérieur de la GT. Alors, on n'a pas de contour ou contour de vitesse en temps réel sur le cockpit. C'est un peu dommage, mais bon, pas trop leur en vouloir. Le cockpit est super bien rendu. Franchement, c'est très très bien fait. Hein. Même pour la Play 1, je trouve ça vraiment très cohérent. On va essayer de faire un petit wheeling. Attendez, je vais essayer d'accélérer bien. Peut-être pas là. Oh, allez, on a commencé un peu. La wing. Ouais! Et on s'est planté. Allez, dernier petit tour. Alors, quand je fais un wheeling, je tourne beaucoup moins bien aussi. Hein. C'est-à-dire que je peux quasiment pas incurver la moto, donc je ne peux pas tourner. Ah, là, je suis parti trop de l'arrière, donc j'ai glissé et je suis tombé. Encore une fois, truc très réaliste. Enfin, très réaliste. Plutôt réaliste. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est vraiment. Voilà, ils ont voulu faire les choses bien. Et bah écoutez, c'est un très bon jeu. Je pense que c'est vraiment la dernière chose à retenir. En plus, il fait nuit, les couleurs ont changé. On a de la neige, le circuit est tapissé de neige. Ça glisse. C'est même marrant, je trouve. À manier. Et ben voilà. Bah écoutez, on va se laisser sur un. On va faire continuer la course, là, on peut pas. Je voulais mettre le replay. C'est pas grave. Bah écoutez, je vous laisse pour... je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Donc si vous voulez jouer, n'hésitez pas, c'est un jeu qui vaut le coup. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde !